dans un moment où on ne sait pas ce qui se passe, on est dans l'incertitude. Et l'humain n'est pas très bon pour gérer l'incertitude. Parce que la réalité de ce qui est là aujourd'hui, c'est que on ne peut pas savoir. On a des petites bases qu'on sait, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Alors, l'idée, c'est vraiment de se ramener encore une fois au moment présent. Ce que je disais tout à l'heure, et ça coupait aussi, c'était que la planète avait besoin d'un respire. Elle avait besoin de s'arrêter. Disons que c'est assez drastique comme moyen, mais ça va. Je suis certaine qu'il y a des choses qui vont émerger de ça, puis on peut déjà l'entrevoir. Beaucoup d'entraide, beaucoup de changements au niveau de l'entraide, au niveau de la connexion entre nous. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire les petits midis d'inspiration. Faut trouver un titre. Si vous avez des idées, là, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment le moment où j'ai envie de connecter parce que ce qu'on a besoin de plus comme communauté en ce moment, c'est connecter avec ce qui est authentique, connecter avec ce qui est réel en nous, connecter avec la nature aussi. Et ça c'est un besoin de base qu'on a tous. Et là, en ce moment, ben, on a probablement le temps de plus le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces petits midis-là, de prendre le temps ensemble sur plein de sujets. Puis là, il fallait choisir le premier. Il y en a tellement. Puis mon but dans ça, c'est de servir. Quand je me lève le matin, ce qui me fait triper, si vous me pardonnez l'expression, là, ce que j'aime, c'est de rendre service. Je suis là pour ça. C'est mon mandat de vie. Donc, que ce soit à travers l'Ayurveda, que ce soit à travers les plantes médicinales, que ce soit à travers c'est bon, il y a plein de titres qui montrent. À travers l'Ayurveda, les plantes médicinales, la respiration, la méditation, les rituels, que ce soit la façon ou le mode, c'est important qu'on prenne le temps. Parce que ça sert à rien, le mental va nous amener dans la catastrophe potentielle ou dans le peut-être que ça va être potentiellement catastrophique. Ça donne à rien d'aller là parce qu'on n'a aucune façon de le savoir. Et je vais parler de l'Ayurveda aujourd'hui, je vais parler de la nature, je vais parler du test des doshas aussi parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et ça fait longtemps que les gens me demandent, tu sais, des réponses. Puis on ne peut pas répondre un à un, c'est impossible. Il y a tellement de courriels et de messages qui entrent. Donc, j'essaie de trouver une façon qu'on puisse supporter en même temps plusieurs personnes ensemble. Donc, aujourd'hui, on est des gens qui sont de la France, on est des gens qui sont du Québec aussi. Donc, la technologie nous permet de connecter. Alors, je vais vous proposer pour les deux prochaines semaines, puis on va réajuster en cours de route, les mardis et les jeudis à 11h30. Puis, pour qu'on puisse... oui, les midis, une chance qu'on ça, c'est bon. Continuez à rentrer des titres potentiels pour qu'on puisse créer une belle communauté. Donc, on a vraiment eu beaucoup de gens qui se sont inscrits depuis hier. Je vous invite à inviter vos amis aussi, parce que le but dans tout ça, là, c'est se faire du bien. Et plus on se fait du bien... Plus on retourne vers notre sagesse intérieure que l'on porte en nous, que tous les êtres humains ont en nous, et ça, c'est basé sur la philosophie de l'Ayurveda, entre autres, c'est amour, joie, paix et harmonie. Ça, c'est vraiment notre core, notre centre de ce que c'est, de qui nous sommes vraiment. Donc, amour, joie, paix et harmonie. Il y a une façon d'y entre autres, une des meilleures façons d'y arriver, c'est d'arrêter de se fier au mental qui nous amène complètement et absolument ailleurs. Et dans des scénarios, dans des potentiels, comme je disais, d'apocalypse, on ne peut pas savoir. On ne peut pas le savoir. Il n'y a personne qui le sait. Fait que quand vous entendez, ils disent que c'est pendant 2 mois, ben, dans 2 mois, on dira, ben, ça fait déjà 2 mois. Mais on ne peut pas savoir avant. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de ramener ça sur le plancher des vaches, comme j'aime dire, de ramener ça sur des choses simples, de connecter avec nous. On va baser sur l'Ayurveda. On peut passer du temps à lire le livre, à parler de plein de choses qui vont nous faire du bien. OK? Donc, en commençant, capsule santé, notre midi qui nous fait du bien. Je vous invite à vous installer droit, le dos droit,
comme on fait à chaque session, soit en méditation ou soit dans les ateliers ou dans les retraites, vous installez le dos droit. J'explique pourquoi. Les poumons n'ont pas de structure. Si on respire les épaules par en dedans, on ne donne pas la chance aux poumons d'ouvrir et de venir connecter. Et je vais vous raconter une petite histoire. Dans l'Ayurveda, entre autres, ça dit que la respiration, plus la respiration, elle est profonde et ancrée, plus la longévité de la vie va se déployer. Donc, plus on respire tranquillement et profondément, plus on est capable, je vais fermer ça ici pour que mon attention soit là, plus la vie s'allonge. Et si on connecte avec la nature, dans la réalité de la nature, c'est, si on peut comparer avec une tortue ou une souris, la tortue vit, respire extrêmement lentement et elle vit plus de 100 ans. Puis la souris respire super vite puis elle vit pas longtemps. Donc, il y a vraiment une belle, belle sagesse. Et je vous dis deuxième chose, un mental agité ne peut pas s'apaiser si la respiration elle est superficielle et agitée. C'est impossible. Donc, mental apaisé va aller avec respiration ouverture et profonde. Ouverture profonde, donc on place position, les épaules ouvertes, les épaules dégagées, pas ouvertes, dégagées, le cou aussi. On ouvre ici, vraiment au niveau du cœur, et je vais vous demander de fermer les yeux. Hein? On est hyper stimulé par plein de choses, donc première chose à faire pour s'ancrer dans le moment présent, on met la position, on ouvre les voies respiratoires, on ferme les yeux. Et on respire, on inspire profondément. On va le faire 4 fois. On inspire. On maintient. On expire. Et on prend une pause de 4 secondes. On le fait encore 3 fois. On inspire profondément. On maintient. On expire et on prend une pause de 4 secondes. Imaginez qu'on est connecté. La connexion au niveau de la respiration, on inspire, on maintient, on relâche et pour une dernière fois, on inspire. On maintient et on relâche. Gardez les yeux fermés quelques secondes. Observez dans votre corps qu'est-ce que 4 respirations ont fait. Comment ça se détend la mâchoire, les épaules. Restez dans le moment présent. C'est la seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Et quand on est prêt doucement, on peut ouvrir les yeux. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti dans votre corps la différence entre 4 inspirations et expirations. Écrivez-moi-le en bas. Donc, commencez à, premièrement, s'ancrer dans le moment présent et à inspirer et expirer. C'est une des choses les plus importantes qu'enseigne l'Ayurveda, entre autres. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices respiratoires, autant dans le yoga que dans l'Ayurveda, où l'art de vivre qui nous amène à nous enraciner et à nous apaiser. Donc, quand on prend le temps d'ouvrir les voies respiratoires, d'ancrer notre respiration. Ici, on a des huiles aussi avant, soit un Roland ou des huiles essentielles qui vont venir ouvrir les voies respiratoires. On va coupler les bienfaits des plantes. Ouais, arrivée du calme, hein? Sonia, oui. Retour, Ginette aussi. Ouais. Oh yeah, c'est le fun. Ça m'a calmé, ça m'a fait du bien. Les filles, puis je vais dire les filles, plus détendues, Marie-Jo. Je vais dire les filles, les hommes, vous êtes quelques-uns, mais c'est les filles, donc c'est autant un que l'autre. Mais bravo, Marie-Jo, je suis contente des cœurs, ça fait du bien. Ça me fait du bien d'être connectée aussi, ça vous a permis de revenir dans le moment présent, ça me fait du bien. On a besoin de ça et c'est une impression d'abondance, wow!
Ça, c'est intéressant comme principe parce que Nadie a dit que ça donne une impression d'abondance. Elle est là, l'abondance. Elle est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à comprendre. Vous savez, je suis en écriture de mon deuxième livre en ce moment. Et il y a tellement de choses que je vais avoir envie de vous partager. Donc, quand les poumons, c'est vraiment le centre de nos émotions, il y a beaucoup de choses qui restent prises au niveau quand ça circule pas, quand on tousse, quand on a besoin d'éliminer. Nos poumons, pour en avoir pris dans mes mains, quand on a fait des autopsies, quand j'ai fait mes études d'infirmière, on avait vraiment les poumons dans les mains. Et quand on touche aux poumons, oui, ensemble, c'est plus fort. Quand on touche aux poumons, c'est une éponge. Ils ont besoin de reprendre leur place. Ils ont besoin de pouvoir faire leur travail, qui est d'inspirer la vie. D'inspirer la vie et d'expirer ce qui ne nous sert plus, parce que c'est un des plus gros organes d'élimination. Il y a la peau et les poumons aussi. Donc, l'inspiration, expiration, à toutes les fois qu'on va se reparler en live, pour le temps que ça va durer, je vous promets, je vais vous le rappeler. Puis si c'est pas live, bien, je vais vous le rappeler par mes écrits. Donc, je suis vraiment contente de vous accompagner. Puis c'est vrai que c'est fort ensemble. C'est vrai que ça fait du bien aussi. Donc, c'est ça aussi que ça permet, la technologie. Bien sûr, ça peut nous épuiser aussi. Continuez à faire des petits cœurs et des commentaires. Pour moi, ça me nourrit beaucoup. C'est facile de nous épuiser, de prendre Facebook, puis descendre, puis voir tout ce qui se passe partout, puis chacun voit de ses commentaires, de ses opinions. Vraiment, il faut faire attention et il faut filtrer. Facebook va nous amener une proximité, mais peut aussi vraiment nous débalancer. Débalancer quoi? Débalancer l'aimant vent. Je rentre un petit peu dans un contexte où l'Ayurveda, ça nous rappelle qu'on fait partie de la nature, on la porte en nous, j'en parle souvent, je vais le répéter. C'est vraiment il faut comprendre qu'on les porte, ces éléments-là. Et ils sont les cinq à l'intérieur de nous. Quand on est dans le mouvement, dans l'action, dans le mental, dans l'anxiété, dans l'insomnie, bonjour Yves. Dans l'insomnie, c'est le vent qui, au niveau de notre tête, il y a trop de vent, ça bouge. C'est comme un moulin à vent où le vent souffle dans les pales, ça ne fait que continuer. Puis nous, comme humains, on s'est forgé un cerveau extrêmement analytique, extrêmement logique, extrêmement axé sur la liste des choses à faire, une liste dites-le dans les commentaires, qui a une liste de choses à faire le matin plus grande que la réalité de ce qu'on peut commencer à écrire. Hein? À la fin de la journée, on fait comme, ben là, en fait, la liste est encore trop grande, je me suis pas rendue là. Donc, on doit se servir je vous lis en même temps, puis je trouve ça tellement le fun parce que les gens on ressent la connexion. Donc, la liste, elle est plus longue des choses à faire. Il faut ralentir. Et là, la planète nous le montre. On n'a pas le choix, là. On peut pas non plus se braquer. Il faut aller avec la vague. Alors, là, pour moi, je me sers des réseaux sociaux pour qu'on puisse ressentir une connexion. Où on va choisir ce qui nous passe dans la tête, où on va choisir ce que l'on fait puis ce qu'on met de l'avant. C'est peut-être un peu ça aussi qui se passe dans le moment où on ralentit, où on a besoin de ralentir. Lisette a dit, moi, ma liste est tellement grande qu'on l'écrit plus, c'est vrai. Et en plus, ce qui arrive quand on l'écrit pas, ben là, la tête, ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je fasse ça. Alors moi, je pense qu'on devrait commencer à penser un petit peu à épurer vraiment. Je le vis aussi personnellement, le ralentissement, tout ça, le fait qu'on court moins pour embouteiller, on court moins. Il y a comme un rythme qui est différent. Et ça permet d'écrire le deuxième livre puis de le terminer. Alors, on a parlé de la respiration, on se rappelle de la tortue. La tortue dans l'Ayurveda, c'est vraiment des belles images. Et je vais toujours ramener l'Ayurveda parce que c'est une médecine, dans mon expérience comme infirmière, comme herboriste,
comme responsable de la recherche clinique dans le pharmaceutique. Tout ça fait en sorte que j'ai un bagage qui me permet de dire que l'Ayurveda, pour moi actuellement, avec ce que je connais aujourd'hui, avec les 25 dernières années d'expérience, c'est une médecine qui fait extrêmement... En fait, c'est pas une médecine, c'est un art de vivre. Un art de vivre qui nous permet de connecter avec la nature, avec notre nature et avec ces éléments que l'on porte en dedans de nous. Donc, on a les 5 éléments à l'intérieur du corps et ces éléments-là vont affecter notre façon différente de réagir au stress, par exemple. Quelqu'un qui a plus de vent dans son corps ou dans son esprit, dans un moment de stress, va être porté plus à faire de l'anxiété, elle va être portée à avoir difficulté à dormir, va avoir de la difficulté à s'apaiser, à s'ancrer. Alors, quand vous ressentez, on a l'impression que ça se met à spinner, si je me permets l'expression, bien, c'est le vent qui est présent et en ce moment, c'est ce qui arrive. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On scroll sur les réseaux sociaux, on entend des nouvelles, ça nourrit notre mental et on ajoute le vent. Donc, c'est l'accumulation, c'est la suraccumulation qui va mener à un débalancement. Donc, quand on parle de Vata, Pitta ou bien Kapha, c'est vraiment des combinaisons d'éléments et on est les trois doshas. On est les trois, on porte ces énergies-là, ces cinq énergies-là, des combinaisons qui font que c'est plus vent, plus feu ou plus terre. Donc, un corps où il y a plus de vent, ben, on peut dire que plus petit, les mains froides, les pieds froids, bon, les cheveux secs, la peau, tendance à la peau sèche, tendance à l'anxiété et à l'insomnie. Tendance aussi à parler beaucoup, avoir beaucoup de projets, difficulté à s'ancrer dans le moment présent. Donc, c'est vraiment, et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Même si le corps est plus terre, on peut quand même avoir notre tête qui est en mouvement. Et le mental, c'est vraiment une porte d'entrée, la surstimulation des sens, une porte d'entrée de la maladie. Donc, quand on parle de vent, quand on en parle de vent dominant, donc quand Vata est dominant, dans un résultat de test, puis je vais parler des tests par la suite, mais quand on a plus de vent, ce qu'on a besoin de faire, c'est pas d'aller faire du parachute ou de s'en aller, pas aller dans le vent, c'est pas ça qu'on a besoin de faire, on a besoin de venir de s'ancrer dans le moment présent et d'utiliser des rituels qui vont venir apaiser le vent et apaiser le stress et l'insomnie. Quand on a plus de feu, quand le feu souffle, quand le feu est vraiment très, très fort, quand le vent souffle sur le feu, donc ça, c'est Pitta, alors à ce moment-là, c'est plus, on va avoir des quand on a plus de feu à l'intérieur, ben il y a beaucoup plus de en balance, en état de balance, le feu va être quelqu'un qui va être leader, très lumineux, va avoir de la drive, va avoir beaucoup d'action. Pourquoi on aura beaucoup d'action, beaucoup de courage, par exemple, dans quelqu'un qui est Pitta, tellement qu'il va courir 2, 3, 4 fois plus vite que tout le monde, mais il va aussi piler sur les pieds en s'en allant courant, ça se passe au niveau de la digestion. Donc, dans le corps, Pitta est vraiment au niveau de la digestion. Quand on a plus de feu et en débalancement, à ce moment-là, quand le vent souffle sur le feu, on va venir avoir des débalancements potentiels comme irritabilité, on va prendre les nerfs un peu plus vite, on va plus être impatient, c'est le oomph là, c'est le oomph qui est passionnel, mais c'est le oomph débalancé, donc le pitta, c'est vraiment l'élément feu, puis l'autre c'est le kapha, donc l'élément terre qui est plus ancré, qui est plus relax. Donc, entre Vata, Pitta et Kapha, qui va avoir plus tendance à être réactif dans ce qui se passe en ce moment? Puis on va avoir Vata, qui va avoir beaucoup de vent, tu sais, qui va avoir comme oh, « mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » Pitta, lui, qui va faire comme « ça va être correct », puis finalement, le vent va souffler sur son feu, puis ça va le faire peut-être plus exploser. Kapha, lui, va être plus « pas grave, prenons le temps de respirer, prenons le temps d'assimiler. » Il y a vraiment des personnalités qui sont associées aux différents doshas. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est vraiment les trois. Je sais que ça peut être compliqué, puis il faut savoir aussi que l'Ayurveda, ce n'est pas que les doshas. C'est trop simplifié, l'Ayurveda, que de penser que c'est juste en rapport avec les doshas. Mais on est au début de la découverte de ça. Alors, c'est normal qu'on veuille savoir ce que l'on est en ce moment. Alors, si on prend cette sagesse-là qui est...
qui est ancestrale. Ceux qui n'ont pas eu encore la chance de lire le livre, c'est pour ça que j'ai écrit le premier, dans le fond, là, c'est une façon d'amener cette sagesse-là avec la réalité d'aujourd'hui. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous l'avez avec vous. Peut-être que ça va vous redonner le goût dans les petits moments d'ouvrir une page, parce que c'est pas nécessairement un livre qu'on lit du premier, tu sais, d'une couverture à une couverture, bien qu'il y en a qui l'ont dévoré. Mais ce que c'est à l'intérieur de ça, c'est un art de vivre qui nous rappelle que, bon, on est les trois doshas, puis ça nous donne des guides sur qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que, ultimement, l'Ayurveda, ce que c'est vraiment un guide pour savoir que on est unique. On est unique. Merci, Émilie. Je l'adore. Merci beaucoup. Qu'on est unique. Puis ça, là, pour moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer. C'est qu'il n'y a pas personne qui est pareil. On a des façons de réagir. On a notre culture. On est dans un monde où on essaye de entrer tout le monde dans une étiquette. Hein? Moi, je suis plus Vata, plus Pitta. Donc, si on a un résultat, si ceux qui n'ont pas fait le test des doshas, je vous l'invite à le faire. Là, ce qu'il faut penser, c'est qu'un test, c'est un test, c'est une tendance. Hein? C'est une tendance qui va avoir tendance à changer au travers le temps. Parce que ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que nous sommes la nature. Bien, la nature, en ce moment, elle est en changement. On est en changement de saison, ici versus à New York, c'est pas la même température. Il y en a qui ont déjà commencé à faire des semis. Nous, moi, à Québec, je suis encore dans la neige. Je suis sûre que je ferais rire beaucoup de gens, mais c'est vraiment encore très froid. Il y a de la neige, puis il y a encore une petite tempête il y a quelques jours. Donc, la nature est en constant changement, et nous aussi, vraiment. On est en changement. Puis ça, faut pas se planter, si je peux me permettre. Tu sais, là, avec une étiquette en disant « Moi, je suis comme ça ». Il y a une base. Il y a une base. On est un peu plus vent pour un corps délicat où il n'y a pas beaucoup de protection. On est un peu plus feu si un corps moyen avec qui se fait des muscles plus facilement, par exemple. Et je vous invite vraiment à retourner dans le livre pour revoir les caractéristiques. Mais vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans les trois. Parce qu'on est les trois, c'est ça l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, moi ce que j'aime, parce que si vous allez rencontrer un médecin en Inde qui va faire une consultation en Ayurveda, il va regarder la langue, il va regarder les yeux, il va regarder les cheveux, il va regarder la personnalité, il va regarder les relations de couple, les relations sexuelles, il va regarder la carte de crédit avec les dettes. L'ensemble de ce qui nous entoure, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, va influencer. En ce moment, avec ce qui se passe, c'est clair que le vent est hyper intense parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, il y a de l'anxiété collective, l'inconnu, je le ramène encore, et donc ça, en ce moment, c'est l'élément vent. Alors, pensez en ce moment ce qu'on a besoin collectivement, vraiment comme une planète en entier, c'est de se ralentir et de s'ancrer et d'arrêter de faire des scénarios et de s'amener dans le moment présent. Je l'amène souvent parce que c'est ça notre force collective. Parce qu'une fois qu'on arrête le mental, c'est là qu'on peut vraiment venir nous enraciner, nous apaiser et que là, notre plein potentiel revient. Alors, si on regarde des résultats, par exemple, alors c'est ça, je veux dire que le test des doshas que j'ai sur le site Inspirata Nature, Dosha Quiz, on mettra le lien après, c'est une tendance, c'est pas scientifique, c'est pas quelque chose pour toujours, c'est lisez les questions une à la fois, puis c'est ça qui est le plus intéressant, moi, je trouve, c'est de découvrir les questions qui nous permettent de comprendre les différences entre, par exemple, une peau qui est vata, va être plus sèche, facilement faire des pellicules, va avoir tendance à avoir les cheveux cassants, un peu grichou. Une peau pita va être tendance à aller au soleil puis à brûler facilement, avec des cheveux plus roux, va avoir plus de feu. Une peau kapha, elle, va être plus tendance à être un peu plus grasse parce qu'il y a beaucoup d'eau et de terre ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est luxuriant. C'est vraiment dans la nature, c'est l'eau et la terre ensemble. Ça fait extrêmement nourrissant. Et donc, il va y avoir les cheveux plus
pas cassant du tout, très très lisse. Merci Ginette. Ginette Boutet, elle a mis le lien pour le dosha dans la vidéo. Donc, la peau, les yeux, les cheveux, la langue va être différente. Quand on a une langue plus vata, ben, elle va être plus petite avec des craquements dessus. La langue pita va être plus médium avec des fois un petit peu plus rosé. Et la kapha, elle va être plus large sur les côtés avec du blanc dessus. Donc, il y a des critères physiologiques. Et on n'est pas coupé au couteau non plus. Là, la tête en haut avec vata, puis le corps comme ça, il y a des nuances. Puis s'il y a une chose que j'ai appris en écrivant un livre, qui m'a pris beaucoup pour apprendre à écrire un livre comme ça, j'étais hors de ma zone de confort, mais absolument. Ça a été 9 mois, 7 jours sur 7, 12 à 16 heures par jour. Puis ça, je vous le jure, c'était ça. Et j'étais complètement en train de me débalancer. Donc, pour être capable d'extraire cette compréhension-là de l'Ayurveda, il faut comprendre qu'on est les trois. On est les trois doshas. Et on n'est pas autre chose que ça. Maintenant, dans une journée, on peut passer de stressé à colérique à plus apaisé. Fait que donc, même dans une journée, on va passer au travers ces différences-là. Donc, moi, ce que je vous propose, puis je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions, puis il va y en avoir mardi prochain un autre live. Donc, vous pouvez écrire vos questions, vous aider entre vous. Ce groupe-là, je le veux vraiment dynamique, hein. Je peux pas passer plein de temps juste à répondre aux questions, mais on va les récupérer avec mon équipe, puis on va aller répondre aux questions. Donc, ce que ça nous sert... L'Ayurveda, c'est vraiment un chemin pour revenir vers soi, revenir vers ce qu'on a besoin, revenir vers notre essence féminine et masculine dans un même corps. Ça, c'est ce que je suis en train de vraiment décortiquer en ce moment, puis c'est riche d'une façon incroyable, la féminité, l'Ayurveda et tout ça, et la masculinité et la réalité de ce que l'on vit en ce moment. En ce moment, c'est une énergie qui est très, très dans l'action, et là, la terre qui est féminine met un frein. On arrête, puis il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est, il va rester encore plein de questions, c'est ça que je vais vous dire. C'est pas une demi-heure ou une heure ensemble, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas le chemin, c'est pas la destination qui est intéressante, c'est le chemin. Et si on est capable, en collectivité, de se ramener sur nos forces, sur qui nous sommes vraiment, sur l'importance d'avoir une vitalité, de stimuler notre système immunitaire, de lui donner l'espace pour bien faire sa job, si je peux me permettre, parce qu'on porte en nous ce qu'on a besoin pour être en harmonie, en joie, en paix et en équilibre. Puis l'Ayurveda, c'est ça que ça nous montre, c'est le chemin pour revenir à soi, de voir nos différences, de voir qu'on est vraiment d'une façon extrêmement unique, puis en même temps, extrêmement connecté avec la nature. Donc, quelqu'un qui va avoir le résultat du test, par exemple, où il va avoir un plus grand pourcentage dans Vata, puis un deuxième pourcentage dans Pitta, par exemple. Alors, le dominant, on pourrait dire qu'il y a plus de vent qui est en ce moment, puis là, il va avoir aussi du feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans ce contexte-là? Ben à ce moment-là, c'est, ben il faut ralentir le vent pour venir apaiser le feu. Puis, vous allez voir, on va le prendre tranquillement un à la fois, mais le principe, c'est le vent. Puis c'est le vent qui débalance tout le monde. C'est le vent qui vient vraiment débalancer tout le monde, qui vient nous faire réagir. Et quand on est en réactivité, c'est le vent, clairement. Donc, ça, on perd nos repères. Alors, collectivement, on a plus besoin que jamais d'être en connexion. Donc, quand vous allez revoir votre dosha, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais moi, je l'avais fait il y a quelques temps, puis là, ça change. Est-ce que c'est normal? Oui, on souhaite que ça change. Et si jamais vos résultats sont comme un peu similaires, les trois, ça veut dire que pour le moment, ce qui semble ressortir, puis je dis toujours « semble », c'est jamais hors de tout doute, c'est pas la science infuse. Le travail aussi de la science dans un autre contexte, c'est de poser des questions. C'est jamais d'affirmer hors de tout doute que c'est ceci et jamais d'autre chose. Parce que le travail, la science, c'est ça. Je me ramène. Donc, vous avez des résultats qui vont être en changement, en changement avec les saisons, en changement avec la nature. C'est vrai, Marie-Jo parle des oiseaux. C'est tellement le fun. Et je pense que c'est la plus belle, le plus beau
moment de connexion, de thérapie, c'est j'ai un banc de... un troupeau, un troupeau en tout cas, une famille de jets bleus qui ont décidé de venir s'installer chez nous parce que je leur ai mis des graines, puis depuis ce temps-là, ben ils viennent cogner à la porte quasiment le matin là, pour que je leur en mette, c'est vraiment beau. Et ça nous permet, donc c'est ça, de reconnecter avec la nature. Je fais des huiles, je parle des huiles essentielles, je parle des plantes médicinales, je parle d'une marche en nature, je parle d'une méditation, je parle d'un moment à l'extérieur. Il faut sortir et il faut se ramener à cette connexion de nature-là. On n'est pas fait pour vivre dans le béton, on n'est pas fait pour vivre dans les grandes cités comme on les connaît maintenant. Et si on recule même dans l'histoire de l'Ayurveda, il semblerait que dans ce qui a été écrit dans les textes, parce qu'il y a beaucoup de visions, hein. Des fois c'est 1000 ans, 2000 ans, des fois c'est 6000 ans, des fois... mais ce qui ressort, c'est que ça arrête, c'est le fait que les gens vivent en ville, qui a amené l'Ayurveda à rejoindre les gens dans les villes. Et quand on parle dans les villes, il y a 5000 ans, ce n'est pas nos villes d'aujourd'hui. On a à peu près 50 méga-cités où il y a des millions de personnes. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Avant, les villes étaient encore plus petites. Puis, on était dans les petits villages où il y avait les marchands et tout ça. Puis, dès qu'on sortait de la ville, on était à l'extérieur, on connectait avec la nature. Maintenant, on construit des centres d'achat au coin de la 10 et la 30 sur nos plus belles terres agricoles naturelles. Puis ça, j'en parle, puis je vais toujours en parler, ça me donne la nausée, parce que c'est pas ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de connecter avec la nature. Alors, Nancy pose la question. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Ben, pas m'arrêter, mais on va prendre les questions dans le... Je peux pas voir, attends un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, dans ton livre, tu fais la différence entre notre nature profonde et la situation actuelle. Oui, alors une nature profonde. Donc, quand quelqu'un vient au monde, par exemple, avec un petit bébé de 5 livres, vient au monde au Québec, ou un petit bébé de 5 livres qui vient au monde en Inde, ou un petit bébé de 5 livres qui vient au monde en Californie, probablement, bon, au départ, selon les parents, tu sais, quand je dis 5 livres, c'est que c'est pas un bébé de 11 livres ou de 10 livres. C'est pas un gros bébé, c'est un petit bébé. Mais ce petit bébé-là, qui a plus, probablement plus de vent et d'espace, donc plus de vata dans son corps, où il va vivre, il va probablement avoir des changements. Et c'est ça qui nous... Donc, on a le prakriti, donc c'est notre base. Quand on vient au monde, on a soit 5 livres, 8 livres, on a les yeux bleus, les yeux verts, on a les cheveux un petit peu plus roux, on a les freckles, ça dépend. Donc, on a une base. Le prakriti, dans le sanskrit, c'est ça. Donc, c'est notre base, c'est notre nature profonde. Ensuite, on a le vikriti. Donc, c'est... Puis, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Moi, j'appelle ça le vikriti, c'est comment tu vas. Hein? C'est comment tu vas actuellement. Parce qu'ultimement, ce que l'on veut faire, c'est en constance se ramener sur notre point d'équilibre. Et si on ne sait pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, bien, c'est difficile de le savoir. Donc, dans mon livre, les premières questions, c'est... Puis, c'est des questions assez de base. Est-ce qu'on est petit, grand? Est-ce que c'est large? Ou, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on mesure 6 pieds 8 ou on mesure 5 pieds 2? Donc, vraiment, c'est au niveau physiologique, c'est un petit peu l'ADN de ce que l'on porte. Dans ma famille, moi, j'ai mon filleul qui est un géant. À la limite, là, c'est vraiment depuis qu'il est tout petit, il est grand, puis il est très, très ancré. C'est un joueur de football. Il est plus grand que moi, puis il a 12 ans. Donc, lui, c'est vraiment haut et terre ensemble. Il est né au monde presque en pesant plus que 10 livres. Donc, c'était comme une attraction dans la pouponnière. Mais c'est pas un vata, c'est pas un petit délicat, c'est ancré. Donc, vraiment, on vient au monde avec une base. Donc, même s'il essaie de devenir plus délicat, plus mal, ça ne marcherait pas. Donc, on pourrait prendre la même chose avec les filles. Dans les corps de femmes, c'est différent aussi. Il y a des corps de femmes vata, des corps de femmes pitta, puis des corps de femmes kapha. Les déesses indiennes, on pourrait dire, c'est dans le corps kapha. Et ce qui nous montre dans la mode, ben, c'est avec plus de vent et d'espace. Donc, c'est vraiment très, très mince, très, très affilé. Donc, c'est vata. Donc, une déesse indienne ne pourra pas être un vata, même si elle essaye. Donc, il y a vraiment des subtilités dans les corps et dans les au niveau des éléments qui est intéressant à voir. Donc, alors, si le pitta est plus élevé, donc si le vent est plus élevé, on apaise le vent pour venir apaiser le feu. C'est vraiment ça. En fait, tout le monde a besoin d'apaiser le vent. C'est pour ça que, et surtout en 2020, surstimulation des sens, les yeux, Facebook, Instagram, les messages persos sur Facebook,
écrivez-moi pas sur Facebook perso, je vous en supplie, parce que en même temps, je veux répondre, mais on peut pas répondre à tout le monde. Alors, Facebook perso, les courriels, les... ça, c'est vraiment du vata. Donc, quand on a besoin d'apaiser, on commence toujours par apaiser le vent. Alors, on a commencé la session aujourd'hui en apaisant le vent, on a respiré, on s'est ancré dans le moment présent. Si vous avez le petit Roland, je vous invite vraiment à l'utiliser régulièrement. Et je vous invite, mon d'ici à mardi prochain, disons, ça va être vraiment de porter attention sur une chose ou deux, votre respiration et votre mental. Oui, trop de portes d'entrée, Mireille, tu as tout à fait raison. C'est trop de portes d'entrée. On est en surstimulation des sens. Alors, c'est pour ça que la méditation, elle est importante. La respiration, elle est importante. Alors, Josée, lorsque nos doshas sont presque au même pourcentage, est-ce qu'on est dans un moment d'équilibre? Bien, on peut se poser la question à soi. Est-ce qu'en ce moment, je me sens bien? Est-ce que ma digestion va bien? Est-ce que je me sens ancrée et en paix? Est-ce que ma nature, c'est plus... d'être en harmonie en ce moment? Et là, dans le fond, ça nous répond. Puis oui, normalement, si c'est ça, il devrait avoir... parce qu'on n'est pas toujours en déséquilibre. Des fois, on essaie de toujours se réajuster. On n'est pas toujours en déséquilibre. Ça reste des pourcentages, ça reste une tendance. Hein? C'est vraiment important parce que quand, je disais tantôt, si vous allez voir, si vous faites une consultation en Ayurveda, ben, il faut savoir que c'est plusieurs choses qu'on regarde physiologiquement, puis il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi moi je fais ce travail-là en ce moment avec l'Ayurveda? C'est pas pour over-simplifier. C'est parce que cette sagesse-là, elle appartient à tout le monde. Et moi, je veux qu'on devienne bonne et bon à se comprendre et à se connaître. D'arrêter de suivre les modes dans la nourriture, dans les modes de ci, dans les modes de ça. On vient qu'on ne sait plus quoi manger, qu'est-ce qui nous fait du bien. On oublie qu'on a une intuition. On oublie qu'on a une intuition à l'intérieur qui nous dit ce qui nous fait du bien ou pas. On est déconnecté, on essaie de suivre. C'est ce que j'aime de l'Ayurveda, c'est que ça nous rappelle vraiment qu'on est unique et qu'on a besoin de se ramener au moment présent. Alors, Mireille, ta question sur le roll-on, non, c'est pas juste avant la méditation. Moi, je m'en suis servie avant de commencer. Je m'en sers quand j'ai besoin de m'inspirer. Ça va venir ouvrir les voies respiratoires, approfondir la respiration. Donc, le roll-on inspiratage, moi, je m'en sers tout le temps. Il est sur la table. Non, mais on ne se trompera pas. On ne se trompera pas à savoir que quand on ralentit le vent. Il n'y a pas de danger qu'on se déséquilibre. Alors, Marguerite, je suis Pitta, mes deux autres doshas sont égaux. Donc, qu'est-ce que je dois travailler pour être en équilibre? Ce qu'on veut éviter, c'est que le vent revienne en force et nous déséquilibre. Il y a beaucoup plus de chances que l'on soit en débalancement avec du vent qu'en débalancement du reste. Quand le vent est apaisé, après, on peut venir travailler un petit peu plus en profondeur pour augmenter la digestion, le feu pour un kapha, par exemple, ou un pitta, où est-ce qu'on va venir rééquilibrer le vent et l'équilibre au niveau de l'action ou du désir d'action ou de la passion. C'est beaucoup d'informations, je le sais. Le livre est là pour continuer et ancrer, mais ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on se donne le goût, et premièrement, qu'on se rappelle qu'on est connecté. Vous êtes encore là, ça fait presque une heure, enfin, on a jasé pendant longtemps. On a besoin de ça, on a besoin d'être connecté, on a besoin de se connaître. Moi, quand je suis allée en Inde, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, la thérapeute, le médecin que j'ai rencontré s'était trompé sur mes doshas. Donc, parce qu'on a une demi-heure, puis ça reste... très, très rapide. La meilleure personne que vous pouvez pas faire, la meilleure chose que vous pouvez, le meilleur service que vous pouvez pas vous rendre, c'est en prévention toujours, toujours en prévention. Hein? Ça, c'est vraiment toujours en prévention. C'est comprenez votre corps, comprenez ce qui vous fait du bien, comprenez ce qui ne vous fait pas du bien, réduisez ce qui vous fait pas du bien, puis augmentez ce qui vous fait du bien. Dans le fond, c'est une sagesse qui est là. Puis c'est ça que l'Ayurveda nous dit. Dis pas, fais pas ça jamais, puis tu devrais pas faire ça. C'est vraiment de comprendre
qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien de manger de la salade en hiver? Peut-être pas, parce que c'est froid, puis l'hiver c'est froid, puis la salade c'est froid, puis le vent dans mon corps est froid, fait que ça fait trop de froid pour ce que j'ai besoin. Donc, on a vraiment besoin de reconnecter avec qui nous sommes, nous faire confiance. Et surtout notre job, je sais que c'est des mots, mais c'est notre travail, là, c'est quoi? C'est de nous maintenir en santé. Et jamais ça remplace, puis ça c'est important de le dire, ça remplace une consultation médicale ou ça remplace. L'idée là-dedans, c'est de devenir autonome dans la compréhension de notre corps et de prévenir le débalancement ou l'accumulation qui mène vers la maladie. Puis c'est ça mon travail que je faisais comme infirmière aussi, c'était beaucoup en prévention. Donc, prévention, cette semaine, le devoir, ça va être respirer. Puis j'aimerais ça que vous venez dans le groupe. Nancy, vous avez juste à prendre le... réinitialiser la page, parce que ça l'a bloqué un petit peu tantôt, mais ça a passé tout de suite. Donc, respirez, venez le dire dans le groupe si vous avez respiré. La force d'un groupe, c'est des post-it aussi, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'on fait pour s'aider, c'est de se rappeler ce qu'on a besoin. Donc, respirez, vérifiez le mental, coupez les réseaux sociaux s'il y en a trop, puis si ça vous fait pas du bien, décrochez de ça, c'est vraiment une meilleure façon. Et continuez à écrire vos questions, ça va nourrir aussi notre discussion de la semaine prochaine. Je voudrais vous dire merci, je voudrais vous inviter encore une fois à amener des amis, parce que moi, j'aime ça. C'est ce qui me fait vibrer. Je me suis levée ce matin vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui. Envoyez des petits cœurs, s'il vous plaît, juste pour voir qu'on est encore tout le monde. Tout le monde est encore là après une heure. Donc, ça répond vraiment à un besoin. On a besoin de connexion. On a besoin d'être authentique. Ceux qui posent des questions sur des consultations, je ne fais plus de consultations. Je ne peux plus faire du 1-à-1. Et donc, c'est vraiment de trouver des thérapeutes ayurvédiques qui sont à l'extérieur. À Québec, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé la façon d'aider le plus de gens possible, c'est de le faire comme ça, à distance, avec des conférences, des ateliers et le livre. Merci. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de ce beau... C'était vraiment un beau moment. J'aimerais ça vraiment. Ça me fait plaisir de l'offrir. Ça me rend vivante. Ma job, c'est de vous rendre vivante aussi. J'ai envie qu'on soit une belle communauté où il y a plein d'amour, de joie, de connexion, de câlins. De câlins quand on va pouvoir s'en faire. Mais moi aussi, je vous aime. Marjo, Yves, Louise, Victor, merci beaucoup d'être là aussi. Je suis contente. Mireille, Isabelle, tout le monde. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Puis quand vous avez besoin de reconnecter, j'ai des frissons jusque dans les jambes, c'est fou de sentir cette connexion-là. Vous voyez toutes les cartes qui passent, là? On n'est vraiment pas seul. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Il faut vraiment, vraiment se le rappeler qu'on n'est pas toute seule, qu'on n'est pas seul. Ramenez-vous avec une respiration. Connectez-vous avec mes huiles si vous les avez. Sinon, connectez-vous avec quelque chose qui sent bon. Un plant de basilic fait la job aussi. OK? Donc, je vous embrasse. Et ramenez vos amis pour la semaine prochaine. Et on se voit donc mardi, 11h30. N'oubliez pas de proposer des noms pour le groupe, parce que j'ai appelé ça les midi bien-être, mais c'est un peu comme en moyenne, là. J'ai quelque chose qui est plus dynamique et plus unique. Alors, je vous aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Merci d'être là aussi. Et vous allez pouvoir voir la rediffusion, je sais pas. Oui, on va s'organiser avec Marie-Josée puis Karine, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais... Vous m'envoyez beaucoup de compliments, mais savez-vous qui est super, c'est vous, d'avoir pris le temps de venir prendre soin de vous. Puis ça, là, ben, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. Alors, je vous aime. On raccroche. Faut raccrocher. Je vous embrasse. À bientôt.